César, un dimanche après-midi un peu triste aujourd'hui, hein, une défaite. Ouais, une défaite. Après, il n'y a pas photo, ils étaient largement au-dessus de nous. Tactiquement, ils étaient très propres. Techniquement, j'en parle même pas. Non, c'est une équipe qui jouait très bien au ballon, qui exploitait très bien la largeur, très bien les espaces libres. C'est un résultat logique, 3-0. C'est un résultat logique, il n'y a pas photo. Bah, ils étaient invaincus, hein, donc voilà, ils sont toujours invaincus, c'est ça quoi. Ouais, non, mais voilà. ils étaient invaincus, ils ont fait un très beau parcours en Coupe de France, un beau parcours en Coupe du Rhône. Nous, on joue que 45 minutes, c'est un peu notre défaut depuis le début de la saison. On rentre à la mi-temps avec 1-0, mais avec de quoi faire. On s'est écroulé physiquement en deuxième, après, c'est le mérite en revient à Grézieux qui a très bien su tourner, qui a très bien su poser le ballon. Donc, non, il n'y a pas photo. On a vu à la fin du match, au 2-0, les joueurs qui baissent un peu la tête. Ouais, c'est souvent le souci. Quand on voit qu'en face, c'est supérieur, généralement, 2-0, on se dit qu'on ne va pas forcément revenir. Donc, on va essayer d'en prendre le moins possible, on se dit. Donc, ouais, c'est un peu baisser la tête. C'est une équipe très jeune. C'est pas simple encore. Ça manque de leader et de maturité. Voilà, ouais. Bon, il y a un bon espoir encore. Il y a des équipes jeunes, donc il y a de quoi faire quelque chose quand même. Oui, c'est que la troisième journée. Il reste encore 19 matchs. La route est longue, il y a l'hiver qui va arriver, donc il y a souvent des blessés, il y a des suspendus qui arrivent pour toutes les équipes. Donc la route est longue, on fera le point fin mai. Il n'y a pas de souci. On va vous suivre le reste de la saison, ça marche. Ça. Allez César, bon dimanche quand même. Merci à toi Richard. Allez, ciao.